morale ou même politique, tout va mal. Il suffit d'ouvrir les yeux autour de nous. Et au plan religieux, c'est encore pire. On a vraiment le sentiment aujourd'hui que les choses sont arrivées à un paroxysme qu'il est difficile de dépasser. C'est un peu comme s'il y avait une sorte de fatalité. Depuis 250 ans, on a dit par exemple au 19e que ce siècle a été le siècle des restaurations manquées. Plusieurs fois au cours du siècle, on a pu croire que le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait été rejeté par la Révolution française, serait à nouveau rétabli. Et non, tous les pouvoirs ont rejeté notre Seigneur et sa royauté. C'est cela, en quelque sorte, qui caractérise le XIXe siècle. Au XXe siècle, la conjuration contre le christianisme, la conjuration du mal, a même atteint l'Église. Sous Saint Pie X, le modernisme a commencé une lutte insidieuse et l'erreur s'est glissée jusque dans les esprits catholiques, jusque dans l'Église. Et à la fin du XXe siècle, a eu lieu ce que Mgr Lefebvre avait appelé la Troisième Guerre mondiale, le Concile Vatican II. On peut dire que c'est dans l'Église elle-même désormais que l'erreur du libéralisme, du naturalisme a triomphé. La révolution en chape et en tiare, comme l'avait prédite la franc-maçonnerie, la haute vente au XIXe siècle, cette révolution semble désormais accomplie. Et nous avons assisté, nous assistons chaque jour à la substitution sacrilège de l'homme à Dieu. Le cardinal Pie, dont nous fêtons cette année le 200e anniversaire de la naissance, disait que c'était là le crime capital des temps modernes, la substitution sacrilège de l'homme à Dieu. Alors allons-nous nous décourager? Eh bien non, surtout pas. Notre Seigneur ne nous a pas abandonnés. Et la preuve, nous allons la donner dans quelques instants. Notre Seigneur est parmi nous. Il l'a promis à ses apôtres, « Je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles ». Il a dit cela juste avant son ascension. Et pourtant, dans l'Église, il y a bien eu des périodes où on aurait pu croire que notre Seigneur n'était plus là, que ce soit au temps des persécutions pendant l'Antiquité ou ensuite dans toutes ces luttes que l'Église a dû subir au cours de son histoire. L'Église n'est pas veuve. Notre Seigneur est toujours présent. Il a promis qu'il reviendrait et il est là. Et il n'est pas là de manière épisodique, il est là de manière permanente. Nos temples ne sont pas vides, ce ne sont pas des temples protestants, ce sont des églises avec un tabernacle. Et notre Seigneur s'y trouve réellement présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et c'est cela notre raison d'espérer. C'est cela l'assurance de notre victoire, c'est le tabernacle. Notre Seigneur ne nous abandonnera jamais, même au plus fort de la décadence universelle, à la condition, évidemment, que nous ne l'abandonnions pas. Et c'est cela qu'il faut demander dans des journées comme aujourd'hui, que nous-mêmes restions bien fidèles à la foi catholique, à notre Seigneur, à la Sainte Messe, que nous soyons fidèles à communier comme il faut, à prier comme il faut, à penser souvent à notre Seigneur. Sans doute, si le bon Dieu veut que les choses aillent si mal, c'est pour nous montrer que lui seul nous sortira d'affaire. Il faut le croire et il faut le lui demander. Ça n'est pas par nos efforts humains, par nos stratagèmes humains que nous pourrons nous sortir de la situation actuelle, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ et sa Sainte Mère. Dans le discours pour le retour des reliques de Saint-Émilien en 1859, à Nantes, dans la cathédrale de Nantes, Saint-Émilien était un ancien évêque de Nantes au XIIIe siècle qui avait combattu les musulmans et qui était mort à la bataille. Et ces reliques ont été ramenées solennellement à Nantes en 1859 et c'est le cardinal Pie qui a fait le discours, le panégyrique. C'est un discours extraordinaire qui mérite d'être connu, d'être relu souvent. Et dans ce discours, le cardinal Pie évoquait précisément le malheur des temps, de nos temps modernes.
et il envisageait même le temps où l'Église serait en butte à ses ennemis de l'extérieur et de l'intérieur, au point qu'elle serait réduite à des dimensions domestiques. Et loin de tenir un discours pessimiste ou démobilisateur, il montrait au contraire les chrétiens, dans ces temps terribles, plus résolus que jamais au fur et à mesure que la situation se dégraderait. Je me permets de vous lire quelques phrases de ce discours. C'est à la fin du discours. « À mesure que le monde approchera de son terme, disait le cardinal Pie, les méchants et les séducteurs auront de plus en plus l'avantage. On ne trouvera quasi plus la foi sur la terre. » C'est une prophétie de notre Seigneur. « C'est-à-dire, elle aura presque complètement disparu de toutes les institutions terrestres. Les croyants eux-mêmes oseront à peine faire une profession publique et sociale de leur croyance. La scission, la séparation, le divorce des sociétés avec Dieu, qui est donné par saint Paul comme un signe précurseur de la fin, ira se consommant de jour en jour. L'Église, société sans doute toujours visible, sera de plus en plus ramenée à des proportions simplement individuelles et domestiques. » Et le cardinal Pie continuait, « L'Église se verra disputer le terrain pied à pied. Elle sera cernée, resserrée de toutes parts. Autant les siècles l'ont fait grande, autant on s'appliquera à la restreindre. Enfin, il y aura pour l'Église de la terre comme une véritable défaite. Il sera donné à la bête de faire la guerre avec les saints et de les vaincre. » C'est une citation de l'Apocalypse au chapitre 13e où il est dit effectivement que la bête, le dragon, c'est-à-dire le diable, recevra dans les derniers jours du monde, et on ne sait pas trop ce que signifient ces derniers jours, ce peut être sur une période assez longue, le pouvoir de vaincre les saints. C'est une victoire apparente, évidemment. L'insolence du mal sera à son comble. Et alors voilà la conclusion du cardinal Pie, c'est elle qu'il faut retenir, surtout. Or, dans cette extrémité des choses, dans cet état désespéré, sur ce globe livré au triomphe du mal et qui sera bientôt envahi par la flamme, c'est une citation de saint Pierre, que devront faire encore tous les vrais chrétiens, tous les bons, tous les saints, tous les hommes de foi et de courage? S'acharnant à une impossibilité plus palpable que jamais, ils diront avec un redoublement d'énergie et par l'ardeur de leurs prières et par l'activité de leurs œuvres et par l'intrépidité de leur lutte, « Ô Dieu, ô notre Père qui êtes dans les cieux, que votre nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, et que votre règne arrive sur la terre comme au ciel, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Eh bien, c'est la prière qu'il nous faut faire. Surtout, ne nous décourageons pas, bien au contraire. Sommes-nous déjà dans ces temps? Dieu seul le sait. Ce qui est certain, c'est que les choses vont mal. Le remède est le même que celui indiqué ici par le cardinal Pie. Recourons à notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons la résolution de l'honorer, de le visiter au Saint-Sacrement, de le prier de mieux en mieux, de communier avec ferveur. Et c'est pour dire cette assurance, cette foi en la victoire de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, et aussi pour réclamer son secours tout-puissant et l'assurer aussi de notre totale confiance que nous allons processionner à sa suite et chanter ses louanges. Nous ne sommes qu'un petit troupeau, mais Dieu ne regarde pas au nombre, il regarde surtout la foi des cœurs. Alors ne soyons pas indifférents, ne soyons pas blasés ou dépités ou découragés. Dieu ne meurt pas, comme disait le grand Garcia Moreno. Et c'est très vrai. Nous avons chanté ce matin dans la belle séquence de la messe de la fête Dieu, Laudation Salvatorem, quantum potes tantum ode, quia maior omni laude, nec laudare sufficis. Autant que tu peux, autant ose-le, car il est plus grand que toute louange. Notre Seigneur est infiniment plus grand que tout ce que nous pourrions dire. Et pour le louer, nous ne suffisons pas. Alors que la Vierge Marie
que tous les saints du ciel se joignent à notre procession pour louer avec nous notre Seigneur Jésus-Christ et faire que notre Seigneur soit vraiment, comme nous le savons, comme nous en sommes certains, le grand vainqueur en qui nous nous donnons, nous nous confions totalement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.